Les gens, c'est Draxurieux aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, on se retrouve sur mon PC. On va regarder un peu les statistiques. On va regarder un peu le système des nouveaux trucs. On va regarder aussi. J'ai reçu un petit mail de YouTube pour ma compétence au niveau de 2020. Parce qu'on arrive quand même en fin 2020. Là, on est en mois de décembre et voilà. Alors hier, normalement, je voulais vous faire deux vidéos, et le truc, c'est que je les ai créées. Alors, vous allez me voir souvent regarder là, parce que c'est tout nouveau pour moi. J'ai réussi à faire un écran, j'ai agrandi mon écran, et en fait, mon écran d'enregistrement est de ce côté. Et voilà, c'est un peu différent de d'habitude. Donc, c'est vrai que pour une fois, j'essaie de trouver des meilleures tactiques pour vous faire des vidéos, pour essayer de voir un peu à droite à gauche, pour même vous faire des lives peut-être pour plus tard sur mon PC. Donc, j'essaie de trouver de nouvelles façons. Donc, comme vous le voyez, on se retrouve sur ma page YouTube. Sur ma page YouTube où clairement voilà où j'ai quand même pas mal de vidéos maintenant. Au niveau du contenu, on va retourner dans les premières, mais dans les premières vidéos. Hop. On va vraiment retourner dans les premières vidéos. Poum poum. Première page. Hop. Transfert. Je vais peut-être recalibrer mon image. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pratique on va dire. Donc clairement. Pourquoi il veut pas se mettre première page. Je me trompe. Alors attendez, parce que là j'ai quand même pas mal de pages. Donc on va retourner dans les premières vidéos, on va regarder un peu ce que j'avais fait dans les premiers temps. J'ai quand même pas mal de vidéos au compteur. Au début j'avais pas de caméra, c'est venu il y a... vidéo commentaire, ça y était déjà... J'ai quand même pas mal de petites vidéos qui ont fait quand même un peu... Alors au départ, j'avais quand même pas beaucoup de pouces bleus, les machins. Bon, on a quand même augmenté au fil du temps. Mais clairement, on a quand même passé de pas mal de jeux. Top 4, Fortnite. On a quand même fait pas mal de jeux. Alors au début de mes vidéos, j'étais quand même... clairement sur téléphone, sur mes premières vidéos. J'ai quand même des pouces bleus qui sont apparus là au fil du temps, c'est marrant. Donc à part pour la vidéo où vous pouvez faire un transfert de jeu gratuitement grâce à vos amis. Moi j'ai eu un gros problème avec mon ami, là on n'arrive plus à... J'arrive plus à voir ses jeux, mais bon ça c'est pas trop grave. Donc voilà, on a quand même pas mal de petites... pas mal avancé en fait. Donc ma première vidéo était sur Minecraft avec Rock la Touche. J'avais oublié de mettre un peu plus fort le son de la télé. J'avais pas envie de vous casser les oreilles et c'est vrai qu'on l'entendait pas. Donc après nous avons eu du GTA. On va regarder vite fait. Donc ouais, c'était mes premières vidéos, ma première vidéo intro aussi. Donc, on va regarder ça vite fait. Hop, regardons un peu vite fait. Alors, touk touk touk. Vas-y, charge Marcel. Alors par contre, ouais, ça serait pas mal d'avoir le son. Ça on va couper parce que bon si vous avez pas le son du salut les amis, bon... oh là oh la intro. Oulala, ça se voit que c'était sur téléphone. Ouille, ça fait très mal.
Ça fait très mal d'entendre ça. Ah ouais, on avait quand même fait pas mal de conneries à l'époque. Ouais, Dexter. Dexter qu'on ne verra plus parce que je l'ai supprimé de ma console. Pareil pour Alexis. Alexis ne jouera plus avec nous pour le moment. Donc voilà. On avait quand même fait pas mal de petites vidéos. On avait fait quand même pas mal de petites vidéos. C'est ça. Ça me turlupine quand même. J'avais déjà la Deluxo dans les premiers temps. Wow, je me baladais souvent en Deluxo. On avait quand même fait pas mal de trucs. Et normalement, là c'était ma dernière vidéo avec GTA. GTA, on fait ce qu'on veut, donc clairement c'était la dernière. Et là j'ai commencé à attaquer avec Tomb Raider, le 2, Tomb Raider 2. On avait fait toute la saison, on avait fait tout le jeu ensemble. J'avais fait un petit truc sympathique. Ah là ouais, la première intro, il n'y avait qu'une image. Alors, maintenant c'est yo les gens, c'est Drake Survie. Oh là, j'ai pris un coup de. Hein, comment ça, il y avait. Attendez, parce que là, normalement, j'avais déjà le Vermedia. Mais apparemment. Ah si, j'avais déjà commencé. Donc là, j'avais déjà la Vermedia. Donc il y en avait eu deux. Deux où j'avais directement intégré mon téléphone. C'était par téléphone. Et là, c'était directement par Tomb Raider sur PS4. En plus, j'étais sur PS4. Que je n'ai plus maintenant. Donc clairement, j'avais fait des vidéos dédicaces. J'avais fait une petite vidéo dédicace pour le travail où je travaillais. Ouais, pas mal, pas mal. Plutôt sympathique. On était allé sur Somnotica aussi. On avait fait du Payday. On avait fait quand même pas mal de petites choses. On avait fait du Minecraft en écran scindé avec mon frère. C'était vraiment les toutes premières et ça fait plaisir parce que des fois, de regarder des vieilles vidéos, j'avais même fait du Pokémon Let's Go Pikachu, que je n'ai plus la Switch non plus. J'avais fait du BO4 multi, j'avais fait du test, maintenant je fais quand même beaucoup plus de multi. J'avais quand même fait pas mal. J'avais fait du Ark. Voilà, oh là. J'avais fait du Spider-Man aussi. J'avais fait le DLC histoire principale. J'avais fait une petite vidéo dessus. On a quand même fait pas mal de jeux. On a quand même fait pas mal de jeux. On a fait du Fallout 76. L'aéroport. Oh, c'était dans les premiers temps. Maintenant, Fallout a complètement changé. Moi qui continue le jeu. Clairement, le jeu a complètement changé et ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Bah alors là, je pensais pas que j'avais fait autant de vidéos en fait. C'est le pack de textures Minecraft, du Fortnite, Fortnite plus plus, Fortnite plus plus. J'avais fait du Destiny 1. C'est ouf. Que le 2 a complètement changé. Le 2 a. J'ai fait du Far Cry New Dawn. Oh là là, j'ai fait quand même pas mal de petites vidéos. C'est à partir de où j'ai changé mon intro, moi. Un serveur, ouais, le serveur qui tourne un peu en rond, qui a tourné en rond, même. J'ai fait des vidéos sur téléphone aussi. Vidéo pub lol.
Hula Hula, j'y joue plus à Hula Hula saison partie 2, Pokémon Rumble Ranch, que je ne retrouve plus, je pense que le jeu a été supprimé. J'ai joué à Mario, Super Mario Ranch, sur téléphone. C'est que des trucs sur téléphone là. J'ai fait quand même pas mal de trucs sur téléphone, j'ai l'impression. Chasse aux monstres, pareil sur téléphone. Là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de téléphones, là c'est sur PS4. Rayman Origins sur mon PC. Ça c'est Minecraft donc c'est sur la Xbox. Et puis là j'ai. Là c'est comme j'avais eu mon souci. Donc j'avais. J'avais eu des gros soucis. Donc j'avais. Je faisais que des vidéos sur téléphone. Ouais, c'est. Je pensais pas que j'avais fait autant de trucs. J'avais pas réalisé que j'avais fait autant de trucs. Ah, même encore là, ça me dit que j'ai téléphone, téléphone, Jurassic World, téléphone, Dragon, c'est téléphone, Pokémon Rumble, c'est téléphone, Zocraft, c'est téléphone. Alors comment je faisais pour tourner mon truc avec le téléphone? En fait, j'ai l'application exprès pour filmer. Et le truc c'est que vu que moi sur mon ancien téléphone j'avais pas de son en fait, le son ne se prenait plus, il y avait un bug. Et en fait vous avez que ma voix parce que je tournais avec le casque. Donc je tournais ça assez tard, donc c'était un peu impressionnant quand même. Regardez-moi ça, j'avais fait un Monster Hunter, comment avoir une poche d'eau. J'ai quand même 100, 120 vues et 3 j'aime. Et j'ai combien de pouces? Ouais, les pouces. Alors, vous allez m'expliquer pourquoi vous mettez des pouces rouges. Parce que clairement, les pouces rouges pénalisent le youtubeur, certes. Mais le truc, c'est que si vous venez regarder, c'est que il y a quand même une question de d'avoir quand même apprécié la vidéo. Parce que si vous mettez une vidéo. Si vous appréciez pas la vidéo. Aller voir ailleurs quoi. C'est pas la question de tiens hop pour le pénaliser il est en train de faire pas mal de vues tiens hop hop on lui casse des pouces bleus. Non, c'est complètement débile de votre part. Après je peux comprendre qu'il y en a certains ça dérange d'avoir réussi ou que voilà on se dit voilà pareil là. Sur Fallout, trouver l'abri 63. J'ai 367 vues. J'ai 5 j'aime et 2 pouces bleus. 2 pouces rouges. Pourquoi on ne sait pas, mais voilà. Apparemment, il y en a qui sont jaloux. La jalousie, ça mange. Hein. Mais par contre, il y a une vidéo que je trouve qui est clairement. Partie de cas. J'avais fait ça moi. J'avais fait ça. Je crois bien que je commençais à mettre ma tête. J'avais fait du jump force. Je vous avais fait pas mal d'overmedia. Faudra me dire si vous voulez que je refasse une vidéo sur overmedia. Après, je n'utilise plus trop l'overmedia. Par exemple, là, je tourne avec. Bah, je prends mon logiciel overmedia avec la Xbox. Mais je suis avec OBS. J'utilise plus overmedia l'application. Parce que il bug. Donc, voilà. Donc, voilà. Bah, j'avais fait pas mal de vues quand même. Et là. Vidéo commentaire précision sur les jeux. Ok. Alors par contre, est-ce que je vais retrouver la vidéo où vous me régalez au niveau des commentaires? Je suis à 84 pouces bleus. 94 pouces bleus et 84 pouces bleus et 18 pouces rouges et je suis à 594 80 ouais bon presque 94 au niveau de la vidéo tuto comment avoir des jeux gratuits sur Xbox
Je vous remercie clairement sur cette vidéo, sur cette vidéo, elle marche toujours autant. C'est ouf. Et il y a toujours autant de commentaires, c'est ouf. Tiens, attendez, on va regarder quelques-uns. Qui attaque des titans? Alors, c'est souvent les personnes qui demandent pour avoir des jeux. Alors, je vous ai déjà toujours dit de faire attention aux personnes qui, voilà, qui demandent ou quoi que ce soit, ou qui posent des mails ou quoi que ce soit, comme lui là. Faites attention parce que clairement, des fois, ça peut être des arnaques ou des trucs comme ça. Alors, je dis pas que tout le monde est sur le point où il veut arnaquer. Mais clairement, si vous voulez, par exemple, trouver un moyen ou quoi que ce soit, voilà, c'est le mieux, c'est mieux de faire par vous-même, d'avoir des amis qui veulent le faire, mais voilà, faut pas demander puis dire, bah voilà, tiens, vas-y. Vas-y, on s'échange ça, et on fait ça. Le truc, c'est que c'est juste pour un. Si c'est pour un jeu, ça sert à rien en fait. Donc, clairement, trouver quelqu'un, on va regarder ça vite fait. Puis après, on va aller regarder les statistiques de 2020, une fois regardé. Passer parce que sinon pourquoi je n'ai pas le son là, je sais pas si vous entendez en fait, je crois même que vous entendez pas, mais clairement ouais, je suis passé de 22 jeux à 130 jeux moi au niveau des jeux, sauf que là j'ai un bug avec mon pote Julien, donc pour le moment je me retrouve la queue dans l'eau. Donc clairement j'avais expliqué comment faire pour voilà, avoir les jeux de la Xbox, tout ça. Donc voilà, c'est voilà, je suis à 100, ouais je suis à plus de 130 jeux maintenant parce que j'ai mon frère aussi. Donc je passe toujours autant de temps sur mes jeux. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Donc on va regarder vite fait les statistiques. Donc on va aller sur ma boîte mail. Donc comme vous le voyez, Drag Survie, l'année 2020, machin. Donc vous avez rejoint. J'ai rejoint il y a 2386 jours. YouTube, clairement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus d'avoir atteint les 100 abonnés, ça fait quand même un moment que j'y suis maintenant. Après, le truc, c'est que je pense qu'ils doivent compter aussi les moments où vous n'avez pas, où vous faites pas de vidéos. Je pense que c'est à partir que vous faites des vidéos. Je pense qu'ils doivent les calculer. Je pense. Je sais pas trop comment ça doit se dérouler là-haut. Depuis votre dernière mise à aujourd'hui, les fans ont cliqué 200, 728 fois sur j'aime. Je vous remercie. Je voudrais quand même qu'il y en ait un peu plus et que vous vous abonniez parce que clairement, il y a pas mal de personnes dont les abonnés que je reçois maintenant, je pense à Boxy ou quoi que ce soit, qui me demandent d'avoir un code créateur. Sauf que le code créateur, faut avoir 1000 abonnés. Donc, tant que j'ai pas 1000 abonnés, ben, je peux pas avoir de code créateur sur Fortnite ou sur des autres jeux. Donc, si vous voulez que je fasse un code créateur, allez-y, partagez, machinez. Parler à vos amis de ma chaîne, tout ça, et à partir de là, je ferai un code créateur à partir des 1000 abonnés. Voilà. Les communautés, plein de développement, machin, spectateurs. Alors j'ai des spectateurs, je suis à 2153 commentaires. Partagez votre vidéo, je suis à 197 fois. Je voudrais qu'il y ait un peu plus de partage. Parce que vous êtes quand même 100 abonnés. Normalement, je devrais. Pour l'année prochaine, je voudrais quand même un peu plus de partage. Partage. Parlez-en à vos amis, je le dis souvent, mais voilà. C'est pas grand-chose, mais au moins qu'ils puissent s'abonner. Comme je vous ai dit, les commentaires aussi, ça sert. Clairement, pour toutes les chaînes. Clairement, pour tout abonné, pour toute personne.
Je vous ai déjà toujours dit au début de mes premières vidéos, je vous ai sorti une vidéo où je vous ai dit, on peut être tous youtubeurs. À partir qu'on le veut, qu'on veut faire des choses, vous pouvez devenir youtubeur par n'importe quel moyen. C'est mathématique. Si vous voulez vraiment vous lancer dans un projet et vous dire, tiens, j'ai vraiment envie de me faire ça. Alors, faut pas faire comme moi, j'ai fait le con. Voilà, j'ai fait le con, clairement. Je me retrouve la queue dans l'eau, je me retrouve avec le corona, on peut pas trouver trop de travail ou quoi que ce soit. Et bah, c'est un peu difficile pour moi en ce moment. Donc, bon, je touche quand même quelque chose. J'aide un peu à droite à gauche. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer sur YouTube, surtout qu'en ce moment, avec le corona, tout ça, c'est quand même pas mal de rester chez soi. Moi, je me dis que je suis pas mécontent d'être chez moi parce que je suis au chaud. Je peux faire ce que je veux, tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau planification, c'est vrai que si vous voulez avoir quelque chose de bien et puis tout ça, machin, surtout que si vous voulez toucher de l'argent sur YouTube, et pas comme je vous ai dit, code créateur, les trucs toucher argent, tout ça, machin, il faut avoir au minimum 1000 abonnés. Donc clairement, moi je suis à 105 abonnés. Si je peux avoir les 1000 abonnés pendant l'année 2021, peut-être pas 1000 abonnés, mais qu'on dépasse les 500 abonnés, quoi. Ça serait OP, quoi. Ça serait vraiment super. Alors, j'en demande peut-être un peu de trop, mais voilà, j'ai vraiment envie de me lancer sur YouTube, vous faire plaisir. En plus de ça, nous, YouTubeurs, on ne fait pas des vidéos pour, voilà, pour vous dire, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La plupart du temps, on fait des vidéos, c'est déjà pour nous. Et en plus de ça, c'est pour vous faire plaisir, pour vous montrer notre passion des jeux. Des trucs comme ça, il y en a, ils vous font des tutos cook, des trucs sur la cuisine, il y en a, ils vous font de la muscu, je pense à Thibaut InShape, même JujuFitCat, il y en a, c'est les tutos cook, il y en a, c'est pour les trucs de paranormal, les trucs comme. Je sais pas qui c'est que je pourrais donner comme nom. Alors oui, je leur fais de la pub, là, ça va être vite vu. Là, pour certains, ils vont me dire, hey, tu fais de la pub. Ben non, je fais pas de pub. Mais le truc, c'est que c'est la vérité. Quand on fait quelque chose, c'est pour nous avant tout, mais c'est pour vous faire plaisir aussi. Parce que le truc, c'est que on le fait pas pour dire, tiens, on le fait, machin, il nous gonfle, tiens, machin. Non, non. On le fait, c'est parce que ça nous plaît. Quand vous voyez Jordan Périgot qui part en exploration ou quoi que ce soit à 3-4 heures du matin pour aller chercher le fantôme, c'est pas pour vous dire, tiens, regardez, là, ça me gonfle, voilà, vous nous cassez les couilles. Non, non. Alors déjà, vous nous aidez. Et en plus de ça, ça nous fait plaisir de vous montrer ce qu'on aime bien faire. Alors, comme Thibaut InShape fait de la muscu. Voilà, Thibaut InShape aime la muscu. On le voit en plus en vidéo. Je suis abonné à sa chaîne. Voilà, ça c'est fait. Même Jordan Périgaud. Voilà, ça c'est fait. Hop, c'est clairement, c'est parce que, ben, avant tout, c'est parce que ça nous plaît. Quand on met des pouces bleus, ça nous plaît. Quand on partage, ça nous plaît. Bon, peut-être que des fois les partages ça peut être longuet. C'est sûr que les partages, des fois c'est des. Ouais, les partages. Le truc c'est que les partages ça aide, les commentaires ça aide et les pouces bleus ça aide. Clairement, tout aide. Et comme je vous ai dit en début de ma chaîne, si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est facile. Si vous voulez faire un truc sur YouTube. Un, deux, trois soleils sur YouTube, vous avez juste à télécharger des applications. Surtout que maintenant c'est très facile de faire. Il y a tellement de tutos sur YouTube pour vous montrer comment faire. Tiens, rien que pour mon écran scindé là que je suis en train de. C'est pour ça que je regarde à gauche. J'ai ma télé, j'ai mon PC. J'ai juste eu à faire que de transférer écran géant. Faut juste cliquer sur paramètres machin, clic écran géant. Il y a un truc écran géant, des petites icônes. Bon, il y a une vidéo qui l'explique. Mais clairement, vous avez juste à avoir une HDMI. L'HDMI se transfère machin. Vous avez juste à prendre votre écran
de votre PC à le mettre sur votre autre écran, vous avez juste à faire ça et comme ça vous êtes tranquille. C'est clairement, c'est tout bénef. Et maintenant, même pour un téléphone, maintenant il y a des applications pour faire des vidéos sur téléphone. C'est complètement con, mais vous pouvez vous lancer, même si c'est pour vous dire, tiens, je m'éclate, machin, je pose et puis tranquille. Mais peut-être qu'un jour, vous vous direz, tiens, ça monte, c'est bizarre. Hop, hop, ça monte, hop, hop, puis ça montera, puis ça. Et puis vous envolerez, puis peut-être qu'un jour vous direz, tiens, j'ai mis l'abonné, je vais avoir mon premier paiement sur YouTube. Oh, cool! Non, non, bah ouais, bah du jour au lendemain, vous vous direz peut-être que ça durera 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, au moins, vous êtes sur quelque chose qui vous plaît. Et voilà. C'est tout, quoi. Et il y en a beaucoup qui font la même chose. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, YouTube, ça a changé, machin. Certes, maintenant, avec les lois, les machins, les trucs, c'est vrai que c'est plus pareil. Mais c'est vrai que quand vous regardez, vous dites, tiens, pourquoi pas? On va faire ça. Et ben voilà, vous faites ça. C'est tout. C'est complètement con, hein. Surtout que maintenant, vous pouvez, par exemple, prendre une icône, la faire jouer comme ça, puis par exemple, moi je peux la mettre sur mon autre écran. Par exemple, vous voyez plus ma souris, mais par exemple, ma souris elle est de l'autre côté. Là, par exemple, elle est revenue. Voilà, c'est con, mais voilà, c'est. Si vous voulez jouer avec des écrans ou quoi que ce soit pour vous amuser à faire des trucs à la con, bah, c'est le moment. Surtout que maintenant, avec les logiciels qu'on a, avec les cartes graphiques, les trucs comme ça, surtout que moi, par exemple, comme je vous ai dit, je voulais un PC fixe. Le PC fixe, bon, bah, je l'ai pas eu parce que j'ai pas. Voilà, il y a eu souci. Et ben, je suis toujours avec mon PC portable, mon écran de télé, et pourtant, je vous fais des vidéos. Donc, clairement, voilà. Tant que vous avez un écran, deux écrans pour vous. Voilà, pour faire deux, trois choses, et ben, vous y arriverez quand même. Donc, clairement, vous pouvez le faire tout bonnement. Vous avez mis 75 abonnés en enregistrant, voilà. Ouais, par contre, j'ai fait quand même pas mal de vues. J'ai fait quand même pas mal de vues. Les spectateurs ont passé un. Ouais, je vous remercie aussi. Donc voilà, spectateur 2000 mains, joli score. Ouais, bah ouais, joli score. Bah moi, je suis plutôt content. Écoutez, je suis plutôt content de ce que j'ai fait de cette année. Je garde souvent de bons moments, tout ça. Bon, il y a peut-être des vidéos qui ne sont pas apparues sur la chaîne parce que voilà, bah, pour bug ou quoi que ce soit. Comme hier la vidéo, je vous l'ai fait, mais elle n'a pas voulu marcher. Donc clairement, je sais pas ce qui s'est passé. Le son y était quand je l'écoutais sur la vidéo, sur la bande originale, mais quand je la transférais sur mon logiciel qui est juste ici. Je ne sais pas s'il va s'afficher le nom sur l'écran. C'est Maxi Vidéo Deluxe. Clairement, le jeu n'a pas voulu se lancer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc voilà. Donc bah, je vous remercie encore pour beaucoup d'être sur ma chaîne. Aujourd'hui, je ne vais pas live. Je sais que normalement, je devrais live tous les samedis. Mais là, je tourne, il est 13h49, comme vous le voyez à l'écran. Et aujourd'hui, je ne suis pas là de la journée. Donc voilà. Je vous passe une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Dites-moi si vous voulez des vidéos sur YouTube, sur PC, maintenant que j'ai trouvé un moyen tout bonnement de faire des vidéos plus facile, déjà. Plus tranquille, donc voilà. Dites-moi clairement si vous voulez d'autres vidéos sur mon PC, comme ça, moi je pourrais tout bonnement retélécharger des trucs sur Steam ou même faire des vidéos sur Minecraft. Je verrai, bah peut-être pas sur Minecraft parce qu'il y a quand même trop de youtubeurs qui fait des vidéos sur Minecraft. Donc voilà, allez, peace les gens, c'était Drac Survie. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche de notification et n'oubliez pas, ici on est là.